Bonjour mes chers élèves de CE1, deuxième année primaire, je vous présente méthode de français, une autre façon d'apprendre le français. Alors, si vous avez l'arbre aux mots, c'est vraiment génial. Alors, cette fois, on va voir grammaire. Allons-y, on va découvrir la leçon d'aujourd'hui, c'est vraiment amusant et important en même temps. Alors, comme d'habitude, on va faire quelques exercices pour bien comprendre la leçon de grammaire. Je m'entraîne, écris pour chaque nom, s'il est au singulier ou au pluriel. Singulier, pluriel, ça veut dire le nombre. Bon, écris pour chaque nom, il y a ici des noms, comme galon, comme circulation, uniforme, pansement, voleur, rue. C'est ce qu'on appelle des noms. Et les déterminants, ce sont des petits mots qui ont avant. Trois, la, mon, des, les, sept. Bon, écrit pour chaque nom, s'il est au singulier ou pluriel. Par exemple, galon, je vois ici S pluriel. Trois galons, c'est pluriel. La circulation, la veut dire un article défini féminin singulier. La circulation, bien sûr, c'est un nom singulier. Mon uniforme. Uniforme, l'uniforme, une uniforme. Attention, c'est un mot féminin mais au singulier. Alors, des pansements, c'est au pluriel puisqu'il y a le mot des, les voleurs, les voleurs. Alors, il y a la marque du pluriel aussi, alors c'est au pluriel. Cette rue, rue, cette rue. Bien sûr, c'est le nom ici au singulier. Alors, galon, au pluriel, pourquoi? Parce qu'il y a un petit mot ici avant, c'est 3, 3, veut dire pluriel. Circulation, c'est au singulier, puisqu'il y a le mot qui précède un petit mot ici, c'est un article défini féminin singulier, là. Uniforme, c'est un nom au singulier, puisqu'il y a un petit mot ici, mon. Alors, c'est une exception puisque c'est un nom féminin qui commence par une voyelle. On dit mon uniforme. C'est pas ma uniforme, mon uniforme. Alors, des pansements, pluriel, puisqu'il y a petit mot ici, des veut dire pluriel. Les, c'est la même chose. Les voleurs, cette rue. Alors, au pluriel, au singulier, très bien. Au singulier, au pluriel, au singulier. Voilà. On passe maintenant au deuxième exercice, c'est vraiment facile. Ah, pourquoi on commence par des exercices pour mieux retenir la règle? On parle ici du singulier pluriel, dis donc. On dit 4, oui. 4 piqûres, 4 ciseaux, 4 aiguilles. Tout ça, c'est ces quatre. Alors, on lit chaque nom à son déterminant. Bon, on considère alors 4. 4. Et on a plusieurs ici, 4, tu vois, parce que c'est un nombre. Le masque, son masque. Quelques piqûres, quelques aiguilles. C'est la même chose, hein. Quelques ciseaux. Voilà, c'est la même chose ici. Alors, les piqûres, les ciseaux, les aiguilles, un bisouri. Il y en a plusieurs. Alors, quatre, il y en a trois. Quatre aiguilles, quatre ciseaux, quatre piqûres, par exemple. Quelques aiguilles, quelques ciseaux, quelques piqûres. Hein. Les piqûres, les ciseaux, les aiguilles. Puisque quatre et quelques les, ce qui veut dire pluriel. Alors, sont. On dit le masque, son masque. On peut dire son bison. Un masque. On peut dire aussi un masque. Hein. Un masque. Soit son masque, soit un masque. Voilà. On passe au troisième exercice. Alors, voici le troisième exercice, vite fait. Écris le pluriel des noms suivants sur ton cahier.
Pour un uniforme, on dit des uniformes, d'accord? Un devient des, hein? Des uniformes avec S à la fin. La seringue, on dit les seringues. Les seringues. Hein? Là devient les, d'accord? Les seringues avec S pluriel. Le pompier, les pompiers. Une policière, des policières avec S. Mon métier, mes métiers. Hein? Fais attention, montons son, mais t'essaies. Mes métiers avec S à la fin, du fil, des fils. Alors je recommence. Un uniforme, des uniformes. La seringue, le pompier, les pompiers. Une policière, des policières. Mon métier, mes métiers, du fil, des fils. Ah, bien fait. Alors on passe maintenant à l'exercice 4, je crois. Alors, vite fait, écris le singulier du nom suivant sur ton cahier. Alors, c'est le vice-versa de troisième exercice. Des voleurs, un voleur. Attention, attention au genre. Soit féminin ou masculin. Des bâtons, un bâton. Les écoles, l'école. Des feux, un feu. Six routes, une route. Tu vois? Alors, des voleurs, un voleur. Des bâtons, un bâton. Alors, je dois pas mettre S à la fin, non. Les écoles, l'école, une école, l'école. Les feux, un feu, sans X. D'accord? Parce que X ou S, ce sont des marques de pluriel, normalement. Ces routes, une route. D'accord? Je recommence. Des voleurs, un voleur. Des bâtons, un bâton. Les écoles, l'école. Des feux, un feu. Six routes, une route. Attention, on ne doit pas mettre S ou X. Ce sont des marques de pluriel. Alors, recoupez le texte en le complétant avec le déterminant suivant. Tu peux utiliser plusieurs fois le même déterminant. Ça ou plusieurs, le, deux, quelques, là ou les. C'est un exercice vraiment facile. Je vous laisse bien sûr faire tout seul. D'accord? Il ne faut pas compter sur moi, hein. Ça, plusieurs, le, deux, quelques, là, les. Tu peux utiliser plusieurs fois ces quelques mots, comme l'exemple de quelques quatre. On a utilisé trois fois, quelques trois fois, les, etc. Quatre. Bon, à toi de choisir. Alors, on passe maintenant au cours d'aujourd'hui. On a fait juste des exercices d'entraînement. Maintenant, le cours. Voilà, grammaire facile pour les élèves de CE1. C'est vraiment facile. Là-bas aussi. Le titre de ce cours, c'est tout simplement le singulier et le pluriel des noms. Lorsqu'on parle du singulier et du pluriel, ça veut dire le nombre. Le nom peut être un singulier ou peut être pluriel. Alors j'observe et je découvre. Lis les phrases ci-dessous. Ce sont des phrases. On a déjà vu dans la première leçon, oui. La phrase qui commence par une majuscule se termine par un point et la suite des mots sont en ordre. Alors, il me faut un bistouri, une aiguille, du fil et un pansement. On a déjà vu cette phrase, bien sûr, dans le texte. Il me faut un bistouri, une aiguille, des fils et un pansement. Il me faut des bistouris, des aiguilles, des fils et des pansements. Alors qu'est-ce que je vois? Alors il restera toujours, il me restera toujours, me, fort, hein, c'est la même chose. Un bistouri, voici des bistouris. Une aiguille et des aiguilles, du fil et des fils, un pansement, des pansements. Alors recoupez la phrase et souligne les noms. Oh, les noms, c'est bistouri, aiguille, fil, pansement. Pansement, fil, aiguille, hibou, bistouri. Alors, classe chaque nom accompagné de son déterminant. Le déterminant, c'est un, une, du, un, des. Voilà. Classe chaque nom accompagné de son déterminant dans ce tableau. Que tu auras recopié, bien sûr, sur ton cahier de maison, je sais pas. Un seul objet, ça veut dire singulier. Plusieurs objets, veut dire pluriel. Bon, on commence. Un bistouri, c'est ici. Une aiguille, c'est ici. Du fil, c'est ici.
Et un pansement, c'est ici. Je vois. Alors, un bistouri, une aiguille, du fil et un pansement, c'est, ça veut dire un seul objet, oui, au singulier. Plusieurs objets. Des bistouris, ici. Des aiguilles, ici. Des fils, ici. Et des pansements. Pansements, des pansements, ici. Plusieurs objets, pluriels. Donc, on a du singulier, c'est pluriel. Alors, entoure les lettres ou les mots qui ont changé. Qui ont changé, bien sûr, c'est. Ben, un devient des. Une devient des. Du devient des. Et un devient des. C'est ça. Alors, je vois aussi qu'on ajoute S ici à la fin du nom. Voilà, à la fin du nom singulier, on ajoute S puisque c'est un nom pluriel. Des pistolets avec S, des aiguilles, des fils, des pansements. Normalement, je ne prononce pas S à la fin puisque c'est la marque du pluriel. Alors, entoure les lettres ou les mots qui ont changé. Remarques-tu, on a déjà vu ça. Ah, quand un nom est-il au singulier? Quand un nom est-il au pluriel? C'est vraiment une question importante. Alors, quand un nom est-il au singulier, lorsqu'il est accompagné d'un petit mot comme un, comme une, comme des, comme un. Ah, comme un ou une ou des. Ou du, pardon. Quand un nom est-il au pluriel, on ajoute S à la fin du mot. À la fin du nom, il y a la marque du pluriel S ou X. Ça dépend, soit S, soit X. Il y a aussi un petit indice, D au lieu de 1. Alors normalement, il y a D plusieurs, regardons ici. D, 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 D. Il y a aussi les aussi. Alors le, les, la, les, l'apostrophe, les. Alors que trouve-t-on à la fin du nom au pluriel? On a déjà vu, c'est la marque du pluriel S. S. S, S, peut-être X. D'accord, vous avez bien compris maintenant la leçon d'aujourd'hui? C'est fini! Bravo! Les Wistiti. Les Wistiti. Pardon. Les Wistiti. Allons-y vers maintenant conjugaison. La prochaine fois, ce sera donc conjugaison. Ah, n'oublie pas, grammaire ici, le singulier pluriel, c'est la page 40. C'est la page 40. Thank you.